Long métrage de 1h20, le film Matoko de la cité du jeune Congolais Jonsley Lukengo a fait l'objet d'une avant-première au centre d'affaires Le Rocher des Âges, devant un public séduit par le contenu. Matoko ou jeune de la cité est axé sur la délinquance juvénile, notamment les violences en milieu scolaire. Regardez. C'était annoncé et le rendez-vous a bel et bien eu lieu. La projection de l'avant-première du film Matoko de la cité a attiré du monde ce samedi 25 novembre. Véritable peinture de la société congolaise, Matoko de la cité parle de la délinquance juvénile dans tous ses contours, notamment les violences au milieu scolaire. Ce film parle de la délinquance juvénile au milieu scolaire. Donc j'ai voulu vraiment que les parents, les enfants, les étudiants et tout puissent être là pour suivre ce magnifique film parce que ça met en évidence vraiment les actes néfastes qui circulent dans nos écoles, dans nos cités, etc. Donc même à la fin, vous allez constater que le film n'est pas encore fini parce qu'on a mis à suivre. C'est parce que nous n'avons pas vraiment assez de moyens pour continuer la suite. Donc à cela, l'impression des téléspectateurs, sinon de tout ce qui était là, m'a donné encore de la force pour continuer cette deuxième. Et donc du coup, je pense avec cette première projection qu'on aura des gens qui vont donc nous aider, sinon nous accompagner dans la suite. Pour les participants, cet accompagnement passera en grande partie par la consommation de ce long métrage. Parlant de qualité, on va se dire que Jean-Cyl a fait des efforts par rapport au passé. D'accord, par rapport à son premier film que je connaissais et par rapport à celui-ci, je vois qu'il a avancé, je vois qu'il a écouté les gens, qu'il a écouté les critiques et que là le travail avance. Et après moi ça ne m'étonne pas, pourquoi je dis que ça ne m'étonne pas, parce que je suis un acteur culturel dans le domaine du cinéma congolais et je sais comment est-ce que ça fonctionne et moi je demande simplement aux Congolais de consommer Congolais. Les impressions c'est vraiment au top, la réalisation je dirais que c'est vraiment super, en tant que bon... Comme bande-annonce, je l'ai reçu de la part d'un frère qui me l'a envoyé. Et je suis venu ici ce soir pour participer à cette cérémonie et voir la projection du film. Vraiment, c'est une grande réussite pour le cinéma congolais. Auteur-producteur, Jonsley Lukengo a tenu à rassurer les mordus de la culture congolaise que lui et son équipe feront tout le nécessaire pour leur offrir le contenu qu'il faut dans leur film.